Nous sommes, sur le sujet des retraites, j'y viens, puisque c'est un sujet fondamental. Bon, nous sommes le seul, Jean-Luc Mélenchon est le seul des 5 candidats qui sont dans les différents sondages, dans les sondages à 2 chiffres, qui est pour le retour à une retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Voilà. Et pour une bonne raison, c'est que d'abord parce que il nous semble qu'il y a dû avoir un rapport entre le fait de vivre plus vieux et les réformes de 81. Je pense que si on vit plus vieux aujourd'hui et plus vieux en bonne santé, bien que ça soit un peu en recul au fur et à mesure qu'il y a des contre-réformes là-dessus, ça a un rapport avec le fait qu'on s'arrête de travailler plus tôt. Donc nous sommes pour revenir à ça. Et par rapport à ceux qui nous disent que ce n'est pas possible, je rappelle que le corps prévoit un rééquilibrage en 2042 des cotisations dans les équilibres et qu'aujourd'hui, il manque en gros 3 milliards d'euros par an. Je rappelais tout à l'heure simplement ce chiffre, qu'il y a 52 milliards d'exonération et que si on met l'égalité salariale homme-femme, eh ben on a largement ces cotisations.